groupe haïtien gouvernement américain déporté journée aujourd'hui, mais contrairement à information qui a circulé, Emmanuel Toto Constant, leader frappe là dans période de coup d'état 1991-94 là, pas fait partie de groupe ça. Donc on a intégré une mobilisation des organisations qui défendent droit monde déjà dénoncé et présence Emmanuel Toto Constant comme un criminel dans mitan monde ça gouvernement américain a déporté dans période de pandémie. En tout c'est 30 haïtiens voyez tourner sorti dans pays États-Unis et jeudi d'après secrétaire d'État communication gouvernement tête Kalia et dit Jackson Alexis et d'après ça le déclaré dans micro nous il fait connait États-Unis et campé provisoirement dans ça qui concernait Emmanuel Toto Constant et pas voyer le venir il dit ça après intervention et premier ministre gouvernement tête Kalia Joseph Jouté fait dans sens ça dans une conférence pour la presse dans occasion et groupe haïtien ça fait plusieurs arrivées depuis Covid 19 là sorti dans pays États-Unis secrétaire d'état communication dit Jackson Alexis et fait connaître a gain possibilité pour la justice haïtienne rejuger Emmanuel Toto Constant nous pas que c'est rejuger nous quoi pour la purger peine ni puisque il était jugé déjà et dans tribunal la justice Gonaïve et par contumace parce que il pas là. Et dit Jackson Alexis fait connaître autorité haïtienne yo y a discuté avec autorité américaine yo pour connaître dans qui pi bon moment n'a cité pour voyer Emmanuel Toto Constant et chef frappe là retourner en Haïti et yon l'autre part dit fait connaître gouvernement de facto la donne et pral mettre migrants haïtiens ça yo gouvernement américain voyer retourner journée jodi en quarantaine. Et puis il dit on pral tester yo même si États-Unis te dit il te fait test pour yo concernant Covid 19 là 72 heures temps avant te pimper au tourner pas bon ici. N'a tande secrétaire d'état communication dans gouvernement tête Kalia dit Jackson Alexis et dans conférence pour la presse côté Joubert Joseph te présent pour Radio Kiskeya. Nous avons là pour nous recevoir une quantité de citoyens, parfois haïtiens, parfois d'origine haïtienne, qui sortent les États-Unis, donc ils font déportation aujourd'hui. Nous connaissons la presse haïtienne, la population en général, et déjà recevoir l'information qu'il y a déporté Toto Constant, Emmanuel Toto Constant. Je suis en mesure de vous confirmer que Toto Constant pas entré jodi a. Ça dit à qui ça? C'est négociation que le premier ministre là, Joseph Jout fait avec les autorités américaines qui ont même convaincu les responsables de l'immigration de ce pays pour yo sursoir temporairement à déportation Toto Constant. Très certainement, c'est un haïtien. Par contre, le statut est-ce que dans l'intervalle là, il a renoncé, il a pris l'autre nationalité, mais nous connaissons, c'est un haïtien. Nous ne sommes pas capables de dire, nous ne pouvons pas recevoir. Mais il faut nous rappeler tout, Toto Constant, c'est un jugement par contumace qui fait contre lui. La loi haïtienne claire et précise là-dessus. Si on mounio juge par contumace, là, moment où il y a une là, il y a une possibilité, il y a une pour que vous êtes capable de mettre mes sous. À ce moment, je n'ai pas ça, nous d'avoir lié. Et moun n'a pas droit tout. N'a parlé de citoyens, mais citoyennes, vous êtes capable de jouer après jugement par contumace là. Moun n'a pas droit pour yon rejuger. Ça fait déjà ici, c'est la procédure, c'est la loi haïtienne. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc, n'a pour reconfirmer que le premier ministre de Guinée, plusieurs rencontres avec des organisations de droits humains dans ce maintenant qui démontraient préoccupation. Il échangeait avec eux, il a rencontré une vingtaine par visioconférence pendant plusieurs heures. Ils ont décidé pour que l'État haïtien prenne dossier Toto Constant en charge. C'est peut-être ça, pour la deuxième fois consécutive, le Premier ministre a obtenu, rétention Toto Constant encore sur le sol américain. Donc ça fait deux fois que le déporter nous joigne en report à partir de négociations. L'autorité haïtienne a continué à discuter avec autorité américaine yo pour qui pi bon moment ça permet yo même qui gen loi la caillou qui pour appliquer et nous même tout pour nous appliquer loi la caillou et toute application loi dans société veut dire que on va protéger citoyens et citoyennes qui a vivre dans société ça pour nous préciser dans monde qui vini yo tout yo tout alors tout monde qui vini yo les autorités américaines fait test covid 19 pour yo 72 heures de temps avant yo vini suivant manifeste que ambassadeur américain communiqué chef gouvernement sur chaque monde qui vini là gouvernement pour aller mettre tout monde ça en quarantaine. C'est maintenant le protocole. On est entré dans la quarantaine. Il y a sous
responsable de santé publique qui lui-même tout prêt faire prélèvement pour yo dans intervalle là dans ta quarantaine dans 14e. Si on monte c'est positif, il y a fait prise en charge pour lui pour mettre en isolement, il est capable faire prise en charge pour lui. Cette fois-ci, nous souhaitons tout acteur dans chaîne prendre responsabilité yo parce que irresponsabilité yo acteur dans chaîne capable des conséquences néfastes sur toute réponse santé publique ou bien l'autre acteur à bail dans chaîne de réponse à coronavirus là actuellement. Et dit Jackson Alexis, secrétaire d'État communication qui t'est parlé comme ça, et pays États-Unis déporté en tout jeudi à Trême, fait connaître, parmi eux 16 qui sortit dans prison, parce que ont été commettre de infractions, là, ils étaient sous territoire américain, 14 l'autre qui pas de papier qui t'est trouvé, dans pays États-Unis, d'après sa directeur ONM, non, Jean-Nego Bonheur Delva, fait connaître. Là, t'as répondu question journaliste qui était présent, directeur ONM dans Jean-Nego Bonheur Delva, et fait qu'on n'est pas au courant parmi moun gouvernement américain a voué tourner un petit bébé et nan mitan yo qui rentré jodi a dans pays a, alors que journaliste dit était constaté que était un petit bébé et qui était ensemble avec parents yo. Directeur ONM nan pas non plus en mesure pour dire qui 16 moun qui était dans prison yo, est-ce que c'est des condamnés yo, yé qui qualité crime yo te fait dans pays États-Unis, est-ce que moun sa yo yo pour aller directement dans prison en Haïti, bon qui nature et zak yo te komet yo, li pa tan mesure pour te répondre question ça. N'ap tande déclaration directeur ONM nan Jean-Nego Bonheur Delva et qui te parle comme ça toujours dans micro Joubert Joseph. Accueil jodian, li te doit concerner 78 de nos compatriotes en provenance des États-Unis d'Amérique. Mais ça toujours fait au départ, yo gen doit ba ou un nombre de moun ki pral recevoir. Voilà que quelques heures avant le vol, gon l'autre annonce qui fait, yon raison ou bien pour l'autre, rend nombre ça li diminuer. Donc c'est ainsi que jodi an, au lieu de 78 moun que nous devons recevoir, ONM accueilli sous tamak lan avec dignité, fierté également, 30 nos compatriotes nous yon. Yon accueilli ce travail ONM nan, et jodi an même, 14 jours pral commencer compter pour moun sa yo que nous souhaitons recevoir. Maintenant, prise en charge quarantaine nan, li géré par la direction départementale de l'Ouest. Au terme de 14 jours lan, ONM pral informer via laboratoire épidémiologique qui pral fait test lié au COVID-19 pour migrants sa yo. Léa, la presse, a informé justement de état de santé de rapatrier sa yo que nous recevoir jeudi. On a eu à recevoir 16 personnes qui ont été condamnées au niveau de la justice américaine et 14 autres, c'était justement des personnes qui ont été justement en situation de migration irrégulière. Qui ont été jeudi? Jeudi, nous pas constaté de Timon qui est avec nous, mais déjà 10 ONM qu'on justement remarqué pas mal d'enfants et avec eux. Nous informer parce que nous avons une liste justement qui a soumettre nous parce que le service d'accueil est là, nous tous nous sommes là. Nous allons soumettre au niveau de la coordination et formation et information parce que l'app capable de arriver à joindre la presse et comme ça doit. Un migrant qui vient, combien de femmes qui viennent, comment vous partez même? C'est presque même réponse avec Amélie Baron, que m'a PC Baron, mon frère. C'est que liste n'est pas encore déposée pour nous. Donc, automatiquement, nous joignons au niveau de la coordination. Jeanne Confel n'a tenu en conférence pour la presse, côté que toute information ça y est, pour relayer comme ça doit. ONM accueille les migrants. ONM n'est pas là pour décider du sort des migrants une fois entrés en Haïti. Tout simplement, je suis capable de dire ici toutefois, mon dans le pays donné, il était commis un crime pour lequel, justement, il a été condamné, il purge peine ni. Donc là, son monde qui serait libre. C'est ce que je penserais moi-même. Voilà, c'est directeur ONM nan, occasion de déportation, 30 Haïtiens, Emmanuel Toto Constant, pape nan mitan yo, et c'est monsieur Jean-Nego Bonheur Delva, directeur ONM nan, qui t'a parlé comme ça. Et faut que nous disions, t'es une mobilisation nan mitan organisation qui a défendu droit moun yo tankou BAI qui gen en tête ni Maître Mario Joseph ensemble avec RNDDH qui gen comme directeur exécutif monsieur Pierre Espérance qui était écrit ministre justice dans gouvernement de facto Luc Mandelil et sous dossier Emmanuel Toto Constant était rappelé depuis monsieur débarqué faut que remettre li bay la justice go naïve côté était déjà jugé par contumace nous te li et lettre et tout l'ouvri ça
et deux dirigeants organisation qui défendent droit moun te voyé bay ministre de Lille. N'a pas très quoi lié là dans coronavirus non ministère santé publique ak population et publié bulletin numéro 55 concernant coronavirus on parlait de 105 nouveaux cas qui confirmé à 4 moun qui mouri en plus en bas COVID-19 là dans date 24 mai 2020 ça fait 2 jours et li bay un total 1063 cas qui confirmé 1010 cas li di ki aktif 22 moun ki geri et 31 moun ki mouri. Ministère a dit l'a saluer mémoire et compatriotes sa yo qui parti quitter nous et pendant li souhaité et force à courage by famille ami et puis tout moun lan mo sa yo touché. Ministère santé publique nan communiqué ça dit l'a continuer mandé population pour respecter tout principe l'hygiène ak sécurité l'état déjà bay pour empêcher maladie gaye plus toujours dans pays an c'est rete la kay nou si zo ka nou ta genyen urgence pour nous sorti toujours songer bay tout monde trois pas distance et puis toujours mettre yon kachete sa rele mas dans figine toujours laver main nou éviter mettre main nou nan genou nan nen ak nan bouche nou coronavirus nan pa yon jouet en youn veye sou l'autre en youn protéger l'autre et c'est ministre santé publique ak population docteur Marie Greta Wa Clément qui signe communiqué ça et numéro 55 concernant virus tan concernant dernière mesure gouvernement prend et décret ça qui soulevé réaction gen bao Port-au-Prince bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, maître Monferrier Dorval, qui offre service baoua gratis pour aider exécutif à corriger dernier décret soutien. D'après maître Monferrier Dorval, et ça fait là pas normal puisque constitution pas dans décret. Et il était tout profité demander l'état faire intervention sous situation malouque dans zone bicentenaire ça qui empêchait la justice fonctionner. Quand on connaît gang yo acheter zone ça l'argent comptant, il y a théorisé population, ça y aurait les palais du système pas capable de fonctionner. Bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince mandé gouvernement pour délocaliser ça aurait les palais du système. Non, n'attendez bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince mettre Monferrier Dorval qui t'a parlé comme ça dans micro Beethoven François fils. Nous nous pas Port-au-Prince, nous pour service non, si nous cadre nous pas fort, nous pas fort ouais avec ça et si a pour lui notre service tourne gratuitement pour que nous aidions pour nous regarder le texte là. Quand le tribunal là, il y a, depuis au moins 2 ans, si nous pénitences sont passées, c'est tiré tout le temps, nous allons cacher. Pour le même bateau, même bateau, même conseil de l'ordre, la folie, non, tout nous abrite. Pour le même parquet, tout le monde s'est cherché au côté, pour abriter. Avant qu'on vienne dire qu'on a plaidé, qu'on a plaidé, tiré à fait. Dernièrement, l'invité, il y a toujours de cela, au lundi matin. Nous tirons en direction du local du Valais de justice. Mais la justice là, nous rencontrons, les gens ne parlent pas de faire par sécurité. Il y a deux bonnes fois, nous parlons avec lui, nous n'avons pas le temps. Mais nous ne sommes pas capables encore de demander pour délocaliser par la justice là. Nous mettons de l'autre côté. Nos zones sécuritaires, on attend de résoudre le problème sécuritaire. Nous aussi mettons un train de temps pour la sécurité. Nous allons prendre un temps pour la sécurité. Ça passe. Aujourd'hui, nous mettons ça dans le là, pour pas qu'il y ait accès à la justice parce que. Tribunal n'a pas fonctionné, tribunal premier, ça n'a pas fonctionné. La cour d'appel fermée, cour d'appel là, depuis mai, il n'a pas fonctionné. Cela veut dire que, nous avons deux actions d'appel, tout fait, on va pas faire. En même temps, toute cassation, tout pas connaître de nouvelles affaires, et même la télévision, sauf les affaires matières du cadre de formation alimentaire, ou quand, lorsque le premier instance en arrivé, il y a, ou quand, monter, ou des doigts ou en matière criminelle, ou quand, directement. Mais à part ça, il faut passer par la cour d'appel. Si la cour d'appel fermée, je ne dis pas de vie en bas. Je ne pas de vie par la justice. C'est la cour d'appel là. Donc, c'est le droit d'accès à la justice. Nous ne pas gagner. Donc, il faut résoudre ce problème, ça. Vous demandez, c'est délocalisation. Délocalisation par la justice là. Délocalisation au tribunal première instance là. Tribunal premier instance, ça le connaît. C'est la réaction de la BSCO pour ce qui est retiré depuis certaines affaires correctionnelles. Les affaires civiles, les affaires commerciales, les affaires criminelles. Vous leur attendez. Des fois, avocat pas de sérénité. On doit plaider en train de tuer. Des fois, ça habite pour abriter. Et chaque fois, pour avocat, pour magistrat et tout autre
agents judiciaires, leurs propriétés judiciaires, ils ont mis en péril la vie. On même mis ça, nous dit, bon, si on joue pour une hypothèse improbable, t'as un avocat victime, physiquement, ça va porter sur la vie de Balézala. Voilà, c'est Bâtonnier Lord, avocat Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, non, Miko Beethoven, François Fils. Et concernant décret, gagné directeur exécutif NDDH qui dénonçait et décret ça, M. Pierre Espérance, dans l'interview de Radio Kiskeya, lui fait connaître toute mesure gouvernement de facto annoncé dans le dernier décret là, et sous état et d'urgence sanitaire. Pas gagné l'autre objectif, c'est mettre babouquette dans la bouche population. Pierre Espérance dénonce corruption, lui dit pouvoir être calé à baigner la donne. J'ai cassé caisse l'État chaque jour, trésor public. Là. N'attendez là, non, micro, Ketia Jean-Pierre Télon. C'est un décret que l'autorité prend et pour priver citoyens de tout droit qui ont gagné. Nous t'a dit que toute liberté que vous avez, liberté d'expression, liberté d'association, et où est dans le décret ça, il n'y a pas dit rien pour question marché public, pour transport en commun, et transport public, pour et cadre d'identification nationale, côté que monde sur monde, qui continue. Et il va jamais faire même bio et au niveau. Donc, et puis tout, il n'y a pas dit qui mesure que vous prend en faveur citoyen. Un, dans situation saleté PIA, dans situation économique là, et question situation sanitaire. Par exemple, l'eau aller dans marché public yo ou moun sou moun et moun pas de masque et transport public là, c'est même bagaille. Factory ou usine ou continue à fonctionner. Lors gade façon que moun yo y a transporté moun yo nan bus et moun sou moun pour aller nan al travail nan factory nan usine yo. Donc, pas yo ki mesure qui prend nan sens ça. Mais autorité ou prend une série de mesures côté que parce que ou besoin mette un état de siège et en da pays ya, y a gagoté, y a débloqué l'argent nan trésor public là. Yo pas aider population dans état qu'il y a aujourd'hui à gens exposé avec Covid 19 là par exemple aujourd'hui à c'est 26 mai qu'il y a presque 2 mois et demi après yo te fin déclaré que Haïti gagne des cas et ben poko gagne 4000 tests qui fait ça veut dire que son population de plus passer 10 millions de monde donc pas gagne suffisamment de tests. Pas qu'il y a suffisamment de côté, il y a fait test, c'est seulement des côtés, il y a fait test, c'est dans le laboratoire national avec GESCIO, et tout l'autre côté, c'est prélèvement qui est fait, soit pour le laboratoire ou bien GESCIO. Au lieu que l'autorité travaille sur ça, sur la question sanitaire, eh bien, il y a pris route et répression. Directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, sous décret ça, gain juge Hickenson et Dumé. Dans l'article 6 concernant le décret et sous question coronavirus, non, qui dit que 5 personnes par doivent réunir dans une pièce sky ou bien dans la cour, qui fait connaître, l'article ça a une difficulté pour le capable appliquer. Selon le même président, mal conseillé, juge Hickenson et Dumé, profiter encourager autorité yo, déplacer palais de justice, non. Pour mettre, d'après ça, dit dans le local la Cour supérieure des comptes, pour un petit bout de temps. N'a pas d'explication, juge Hickenson et du Ménamico, Beethoven, François Fils. Décret et l'article 6, là, nous capables de nous relever plusieurs petits problèmes techniques que nous capables de poser à l'application. Et si ça fait, nous demandons l'exécutif là pour les capables de nous tracter. Sous action ça, puisque et l'or pour loi, donc il faut tenir compte de l'applicabilité de ça et contexte. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes, recommandation que nous avons fait avec le président Jovenel, c'est retraper et texte ça, et puis et faire des consultations à travers des groupes
et sociaux, des groupes sociaux spécialisés en pays. Tant que, par exemple, soit pour un texte sur la justice, eh bien, on pas qu'à passer ou pour pas de consultation CSPJ, ou pas qu'à passer ou pas de consultation et BAO, ou bien la fédération et des BAO, et ou pas qu'à passer aussi pour pas gagner consultation association de magistrats. Donc, c'est ça que fait. Nous pensons et une sorte de précipitation qui fait et autour du texte et président il a été très mal conseillé parce que pour décret à lui poser un problème de sécurité juridique à mon sens pour une catégorie de citoyens parce que nous connaissons et capable de dire un groupe de citoyens qui depuis 200 ans qui marginalisé dans la société et mon carré au fait un pile petit donc qui sont prêts à le dire et avec yon famille qui gagne plus que 5 personnes, qui gagne plus que 5 membres. Donc, immédiatement, donc, on retire convivialité et à travers les familles nombreuses, les familles dites familles nombreuses. Si nan décret à tout l'hypothé à tête même à la vocation générale de la loi. Donc, et notion erga omnes là, l'on décret à ou est que, eh bien, l'y pas prioriser et en décret. Parce que le texte là doit comporter général. Et dans le cadre du décret, ça nous est que l'y poser problème. Voilà, c'est juge Ikenson Edumé, président Anama, juge Jean-Wilner Morin. Et il retourne tout sous décret ça. Demander exécutif là corriger article 6 à article 23 dans décret ça qui publié dans journal officiel le moniteur dans date 21 mai qui s'est passé là et qui fait un pile exigence pour protéger population contre coronavirus non nous interview juge Morin by Radio Kiskeya et il dit que article 6 décret a interdit plus que 5 monde réunis ou bien en dedans un PSK ou bien dans un lacou n'est pas applicable d'après ça le fait connaître et ni tout question à fait tribunal de simple police non composition à peu possible d'après ça président Anama fait connaître dit la loi mandé déjà dépasser 10 moun dans ça qui concernait article ça qui méritait corriger pour ça qui gain ah ouais article 23 dans même et décret et qui mandé travail intérêt général et pour moun qui ta coupable d'après avoir ta violé l'autre article dans décret ça juge Jean-Wilner Morin président Anama mandé pour exécutif là et porter précision de là la parler de intérêt général parce que il créait plus confusion au lieu d'y porter clarté dans sens ça li annoncé Anama déjà écrit CSPJ pour demander exécutif là remanier plusieurs articles dans décret ça n'attendez juge Jean-Wilner Morin qui t'a parlé comme ça dans micro Hervé Noël. Depuis hier, Association nationale des magistrats haïtiens écrit une lettre au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour nous demander conseil là pour les capables de contacter exécutif là pour être capable de porter une correction ou amélioration d'un décret et 21BA qui parlait de coronavirus, décision pour porter la population, pour respecter le distance sociale, port masque, etc. Pour nous-mêmes, association, c'est une très bonne décision de vouloir prendre un outil légal pour être capable de combattre la propagation du virus. Cependant, nous trouvons que, premièrement, l'article 6, c'est un article qui prêtait à confusion parce que il présentait un aspect d'inapplicabilité. Premièrement, parce que nous dit, plus que 7 monde pas capable de réunir, c'est une infraction. Et il y a deux menées devant le tribunal de Sainte-Police. Tribunal de Sainte-Police, là, que nous le tribunal de Père. Que le tribunal de proximité de famille, hein, pour lui composer, composition tribunal, là, il y a un juge, il y a un greffier, il y a un huissier, il y a un agent de police qui assure la sécurité en dans la salle d'audience, là. Et si on prend monde qui commet infraction, hein, si on prend avocat, lui, donc, on est déjà parti pour à peu près pour 10 monde. Sans omettre que la loi pénale est d'interprétation stricte, il dit toute audience publique, ou pas qu'à interdire au monde d'assister à audience. Donc, juge de paix après le trouver nos situations assez difficiles pour appliquer du créa dans l'article 6 là, parce que
et Jean Pellier la Bourria, lui même encore t'a capable même mettre juge de paix dans situation comme si lui même tout lui t'a un monde qui viole les décrets. On nous prend article 23. Article 23 lui dit que il y a un monde qui coupable que après fin prononcer sentence ça, c'est la mairie qui prend le bail qui c'est soit mon aller en de prison soit mon aller payer en amende ou du moins s'il fait travail d'intérêt général. Bon, on va trop habituer bon, ici à travail d'intérêt général là et en Haïti, mais cependant, même nous garder pour le décret à pas préciser type de travail d'intérêt général. Là, il va dire qu'il travaille, il va énumérer travail d'intérêt général. Yo. Donc ça encore mettre il y a un problème, ça mettre juge là encore un problème. Bon, nous juste penser comme en Haïti, c'est service voirie le plus souvent qui qu'on utilise. Donc n'a dit puis je vais mettre nous peut-être dans question de dimondis ou bien de fatra. Voilà, président Anama, effectivement, décret ça a une série de articles, si c'est de Haïti à parler, et c'est juge Jean-René Morin qui t'a préagi dans le micro, non, concernant. Faire premier coup de pied dans l'actualité internationale là, concernant pandémie coronavirus, non, dernier bilan, 346 296 vont mourir. Tout partout sous planète là et depuis l'épidémie ça a éclaté dans le pays la Chine en finissant l'année 2019 là selon un bilan AFP établi à partir de informations officielles. États-Unis c'est pays qui plus touché à 98 223 monde qui mouri. Après ça au Royaume-Uni à 36 914 monde qui mouri mais qui gagne 261 184 cas, monde qui trappe virus, non. Italie avec 32 877 monde qui mourit, qui gagne 230 158 cas, monde qui trappe virus, non. La France avec 28 457 monde qui mourit, et qui gagne 182 942 monde qui trappe virus, non. Espagne avec 26 834 monde qui mourit, et qui gagne 235 400 cas. Moun ki trape virus nan. Nap vini pa boisit la kay pa nou et avant continue ak virus nan gen dossier FIFA docteur Jamba Fédération Haïtienne Football paraît tout note pour la presse pour faire connait Fédération Haïtienne Football FHF voulait informer tout le monde après mesure et FIFA prend pour suspendre docteur Yves Jamba pour 90 jours et ses chambres investigation comité éthique FIFA et concernant président Fédération Haïtienne Football là président association noire docteur Yves Jamba d'après sa note lundi pour faciliter enquête qui a mené concernant accusation qui gagne contre lui comité exécutif là a réuni en volontaire et pour yo capable prendre mesure qui prévoit selon statut à règlement général fédération fédération haïtienne football là veut rassurer toute famille football haïtien tout club affilié tout membre diverses commissions centrales yo toute disposition à prendre et pour assurer que fédération pas camper de continuer activité dans respect total capital statut nous en tant que fédération mais tout et dans respect au statut CONCACAF ak FIFA déclaration porte signature Carlo Marcelin secrétaire général li fait dans quoi des bouquets jour qui 25 mai 2020 et puis déclaration docteur Yves Jamba sous décision FIFA prend pour mettre le sous côté dans cadre d'enquête cap mené pour 90 jours un porte-parole docteur Yves Jamba président fédération haïtienne football là fait le point d'après sa note lundi docteur Yves Jamba président fédération haïtienne football continuer à voir jeter avec toute force li accusation qui pas chita sous rien yo fait contre lui qui dit que t'a abusé sexuellement de timoun famille confié fédération pour former et dit cependant l'a conformé avec décision FIFA prend pour suspendre ni de façon provisoire décision chambre instruction commission éthique dans FIFA prend
et procédure qui normale et commission éthique l'en prend d'après ça docteur Jean-Bart fait connait et l'a attendu que exonérer et réintégrer de façon totale capitale après enquête qui a mené en fini et il dit c'est dans transparence toute démarche a fait depuis le commencement fédération ensemble avec le président c'est même en premier qui t'a lancé enquête pour investigation bon côté autorité la justice ensemble avec qui demande une organisation qui a défendu droit monde qui très respecté dans pays RNDDH pour te mener enquête sous dossier ça pour te prouver accusation méprisable et qui chita sous raison politiquement motivée qui t'a mené contre client pas gain aucune vérité la donne au contraire même fédération t'es d'accord avec FIFA pour te voyer expert dans le programme FIFA Guardians Charles et Safeguarding et pour te venir vérifier et toutes conditions qui gagnent dans centre national formation pour jeunes yo mais après ça dans une déclaration publique Fédération Haïtienne Football là t'es encouragé FIFA pour te mener propre enquête parle entre-temps docteur Yves Jean-Bart président Fédération Haïtienne Football là déposé une plainte et pour diffamation publique 18 mai qui passé là dans ville Paris contre un blogueur y aurait les Romain Molina qui sont français et qui publiait des accusations scandaleuses anonymes contre président Fédération Football Haïtien sans pas bail aucune preuve et plainte là contre diffamation était déposée devant tribunal Paris selon loi sous la presse 1881 qui définit ça les diffamations et comme une allégation ou bien de bagaille ou mettez contre un monde qui attaque honneur et à considération monde nan ou bien groupe monde nan fait partie de lui d'après ça il précisé pas gain aucun type accusation qui fait dans sens ça il était jamais enregistré pendant 20 années mission docteur Jean-Bart dans Fédération Haïtienne Football là encore moins pendant 8 l'année fonctionnement académique en nous. Docteur Jean-Bart, c'est un médecin éminent que tout le monde connaît, un journaliste très respecté et reportage li yote fait de tellement de percutant, il était obligé au moins et à 4 fois en 4 fois il était parti en exil. Li quoi il est là c'est PDG Radio Galaxy qui sont une société privée très respectée pour d'après avoir c'est une radio qui pas dans passe pour qui docteur Jean-Bart recevoir plusieurs distinctions comme président et Fédération Haïtienne Football là pendant deux dernières décennies qui se passé là yo et dernièrement il est réélu pour un sixième mandat et malgré un pile défi et le fait que il a pas gagné gros ressources financières dans fédération ni même avec collègues li yo ak membre Fédération Football là yo continuer à travailler sans prendre souffle pour capable développer football là pour permettre un gros programme succès formation jeunes filles tant que jeunes garçons dans pays d'Haïti côté qui permettre jeunes ça participer dans niveau qui plus haut dans football mondial là dans des compétitions football à travers le monde et yon démarche qui gon paquet importance donc ça c'est déclaration 20 jours non mais FIFA côté pas ka mener activité dans football ni en Haïti ni en Suisse côté siège Fédération Football Mondial la FIFA ni dans football international là d'après ça qui dit et 90 jours en attendant enquête qui a mené hein, et ra poursuivre sous dossier ça. N'a vini dans coronavirus non ak analyse docteur Dieudonné Jean-Baptiste et qui sont spécialistes et dans médecine fonctionnelle et qui c'est épidémiologiste tout dans interview li bay radio Kiskeya et l'a parlé sous décret gouvernement pro qui plus aller dans sens serré boulon alors que lui-même ni quoi c'est des alternatives pour gouvernement t'a chercher pour permettre peuple là joindre moyen pour renforcer col en dedans par exemple une série de vitamines tant que vitamine D que gouvernement a dû mettre sous marché là pour moun yo les gens de maladie ça attaqué yo pour pas capable bété yo à terre dans interview li bay radio Kiskeya docteur Dieudonné Jean-Baptiste recommandé gouvernement mettre sous pied des structures communautaires cap permettre yo faire dépistage rapide pour moun qui exposé en bas virus non au lieu li apprend une série de décrets serré boulon
dans sa les gestes barrières yo. Pour lui même priorité à pas adoué ça sous aspect protocole qui pour mettre sous pied pour traiter moun qui trappé virus non et COVID-19 là docteur Jean-Baptiste parlait de options alternatives là de mettre une série de vitamines pour population capable gagner accès à yo vitamine D vitamine C il parlait de protocole qui permettre yo combattre ça les chocs sceptiques là et puis avec l'autre protocole qui vise tout tant qu'une question anticoagulant par exemple n'a pas d'explication docteur Dieudonné Jean-Baptiste un spécialiste dans médecine fonctionnelle et l'a et introduit là sérieusement en Haïti depuis quelque temps et qui t'a parlé comme ça dans micro Hervé Noël c'est progression naturelle maladie qui transmet rapidement et modèle mathématique même là que yo gen droit pa ban nou exactement on reflet de la situation mais c'est ça yo rele yon progression k ap bon sacre le yon courbe en cloche donc ça veut dire li monte et là nous docteur Jean-Baptiste et depuis a sorti jeudi 21 mai là est-ce que ou pensez li trop tard par rapport avec exigence qui mettait devant population par exemple et réunion 5 moun interdit yo parle tout de sanctions qui prévoit pour moun ki ta violé quelques articles dans décret. Si le gouvernement a pris un décret pour le mettre un peu comme, rien que d'investir dans la vitamine D et permettre que les gens qui font tension, les gens qui ont sucre, les gens qui ont baisse, au moins les gens qui ont besoin de vitamine D pour acheter à bon marché, même si la vitamine C avec zinc. Si le gouvernement fait investissement, ça y aura pour moi la plus que la beaucoup plus que n'importe qui décret qui a signé. Et là, ça va réduire le risque pour que vous gagnez des cas graves qui peuvent arriver dans l'hôpital. Si le gouvernement mettait en place une structure communautaire côté yo dépister cas rapide et dans monde qui gagne symptômes yo t'apprend monde qui plus à haut risque et monde ça yo font traitement ciblé ou pas besoin à l'hôpital mais yo t'a commencé traiter dans communauté ou donc t'a préparé n'importe qui cadre infirmière médecin qui pour personnel infirmier et médecin qui pour prendre soin moun yo dans phase prévention secondaire précoce côté identifier moun qui a au risque yo, pour ka réduire flux patient qui peut présenter difficulté respiratoire qui peut aller l'hôpital yo. Pour moi même son décret comme ça me t'a remettre en et son décret qui t'a demandé que gouvernement fouille maintenant poche li pour prendre cob pour l'investir en gens pour sauver un peu de vie. Docteur Dieudonné, en ce qui concerne le protocole qui met en place, qui soit qu'a dit nous sous ça, protocole qui met en place pour traiter le coronavirus? On connaît que c'est une maladie qui est nouveau et que pas gagné une unanimité. Je pense que depuis l'épidémie a commencé, dans le commencement de l'année, il y a un paquet d'informations passées et il y a expérience qui fait, il y a erreur qui fait et il y a pile bagaille que nous apprenons. Je ne vais pas dire là, qui ça pour yon moun fait. Mais je pense que là, yon moun ou devant yon patient, il y a différentes approches qui marchaient, qui discutaient dans le monde, et il y a un qui marchait plus que l'autre. Docteur, yon pour moi, yon formé tête yon dans la période ça, et que yon même, yon prend en charge patient yon. Moi-même, yon patient qui contacté hier, et l'homme gardé protocole que docteur li, qui sont médecins conventionnels utilisés, c'est un protocole qui est correct et que qui baille résultat parce que patient pour moi n'y passe cap danger. Ça pour nous comprendre la maladie ça. Dégringolade là, il commence petit petit dans premier jour symptôme qu'on sentit. Lorsqu'on sentit premier petit symptôme dans c'est là ça il doit traiter. Et là si vous déjà passé 5-7 jours et ben là ça si maladie en va progresser nous avons commencé à dégringoler, et là, pour arriver dans 8, 9, 10e jour, c'est là, ça va aller en gâté net. Et c'est là, ça, l'hôpital va le dépasser. Et ça fait que, bon, pour, il y en a un point clé pour tout le monde comprendre. Là, on a un petit fièvre, qu'on ait ce chemin bouton qui mène à ma langue. Pas arrêter si t'as actif fièvre là. Contactez un docteur que vous faites confiance qui a aidé ou. Parce que,
c'est une maladie qui pas grave dans le commencement, mais là, elle arrive dans la phase côté la gravée, waouh, on besoin d'une batterie de traitement que nous prenons pas une institution qui a supporté un pile malade comme ça en Haïti. Docteur, moi, au plus d'un en ce qui concerne le protocole, là, même option alternative, je dis là, on est capable de faire nous parler de lui. Option alternative, d'accord, non, traitement alternatif, l'efficacité sous de fortes doses de vitamine C. Il y a une étude qui fait Rouen, il y a une médecine qui fait aux États-Unis. Si on m'en cherche ou tapez sur clinicaltrials.gov, ou a besoin d'études côté à utiliser de fortes doses de vitamine C par voie intraveineuse pour combattre phase terminale, d'accord, phase qui est pas terminale, pardon, phase qui avancée dans le développement maladie. Mais la vitamine C, on peut utiliser tout le long. Et ça, c'est un élément. Gagner un protocole qui est le protocole Dr. Marik. Protocole Marik, là, je me suis discuté de lui dans la presse depuis en janvier. C'est un protocole qui permet au combat de sacrer un choc sceptique. En France, je dis, il y a une pétition qui a signé, qui a circulé sous protocole Dr. Marik, là, parce qu'il est public, et il utilise tout de fortes doses de vitamine C. Donc, dans New York, je dis, ils ont utilisé vitamine C par voie intraveineuse. Là, il y a tout le monde qui est rentré dans une série de l'hôpital et qui suspecte ou bien qui gagne un COVID-19. Mais on a besoin pour qu'ils utilisent tout des anticoagulants parce qu'ils connaissent que selon la maladie a développé, une complication qui mène à mon aller, c'est que le sang commence à faire caillou. Mais tout le monde, ça, il doit faire sous supervision médicale parce que même si on a tout médicament, eh bien, c'est pour marcher sur un code red. Côté où, soit, si on connaît un anticoagulant comme ça, eh bien, on prend sa supervision médicale qui est bien formée pour qu'on sache faire, eh bien, il est capable de causer plus de tort que de mal, ou capable de causer des hémorragies, etc. Et ça fait que soin médical, là, on soit supervisé par un monde qui a une expertise. C'est ça que je recommande, surtout en cette période de crise. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, dans micro Hervé Noël, toujours sous évolution maladie, analyse et stratégie, réponse contre coronavirus. Non? Sous évolution pandémie, docteur Dieudonné Jean-Baptiste estime situation n'a vive. Dans le moment ça, il y a déjà prévu à travers diverses méthodes et ça, il y a étudié. Et nous connaissons, là, déjà annoncé, depuis la mi-temps de mai, là, c'est un pile monde d'après le mourir. Et même si Didier était quoi, analyse qui était prévoit, ça les modélisations, yo, sous développement coronavirus dans le pays, les pour qu'on arrive dans le pic, li, par rapport à la situation, qui n'a pas vivre, jour et jeudi, sous comportement population, t'as dû adopter pour faire prévention, au lieu pour faire guérison contre coronavirus, non? Docteur Dieudonné Jean-Baptiste recommandait tout le monde prendre en considération stratégie qui est très simple. Tant que par exemple, gagari de l'eau sel salé chaud dans gorge. Dit quoi c'est une mesure qui est capable de protéger pour virus temps pas envahir corps. Servir avec de l'oxygéné par exemple pour nettoyer néon et avec plusieurs autres méthodes très simples encore pour faire prévention. N'attendez docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui t'a parlé comme ça dans micro Hervé Noël. C'est progression naturelle. Maladies qui transmettent rapidement et modèles mathématiques, même lorsque ils ne voient pas nous exactement on reflète la situation, mais c'est ça, il y a une progression qui a bon sacré, il y a une courbe en cloche, donc ça veut dire les montées et là nous pente vraiment penser qu'il est ascendante et donc là privé nous capable plateau et après nous devons descendre, donc c'est histoire naturelle d'Adi épidémie, et c'est la donne nous y est là. Mais sauf que en Haïti, nous t'es pensé le tabra le plus vite depuis longtemps. Alors même que nous t'es pensé que t'es en période, nous, même si système nous en pas arrivé, identifier quantité cas qui gagne, quantité nouveau cas qui apparaît. Mais pendant les deux dernières semaines, nous a dit que depuis les mois, il t'a parlé de anti-épidémie fièvre. Et le docteur Laurie Adrien t'a dit que c'est pas une anti-épidémie fièvre, gagné une épidémie de coronavirus. Et c'est ça la situation. Je dis, presque tout le monde qui a connu un monde qui a une fièvre,
et connaît que l'on joue un monde qui gonti fièvre, l'on joue 10 monde qui gonti fièvre, on a gagné environ 80 à 90% l'autre qui rencontre le virus là, mais qui n'a pas aucun symptôme. Donc c'est pour dire à quel point que moi-même, ça me tape suggéré et que je commence à suggérer depuis longtemps. C'est que le pays a utilisé toutes ressources qu'il gagnait pour nous limiter et qu'à tomber en quantité mort que le modèle mathématique a dit qu'à venir. Nous pensons que si nous gagnons une approche qui décentralisée, sortie que dans l'approche de l'hôpital que nous pas gagnons, de manière à ce que ou elles font prise en charge communautaire, l'hypocotrota, nous qu'a fait une prise en charge communautaire, quand on utilise de petites stratégies simples, mais sous supervision, il y a un personnel qui est entraîné. Il ne peut pas parler d'entraînement qu'a fait, qu'a pris un pile de temps. C'est un entraînement qu'a pris quelques heures qu'on a fait par voie et en utilisant des téléconférences pour que des professionnels qui ont utilisé des méthodes naturelles. Nous connaissons des gens qui travaillent pour sortir des documents sous approche médecine naturelle, médecine traditionnelle qui a marché. Et nous connaissons Marie-Lise Bouzdi qui travaille sur ça. Nous connaissons l'autre monde qui travaille ensemble pour essayer de mettre formation sur Internet pour que la communauté a formé tête. Et là, nous connaissons Dr. Franck Généus qui travaille sur une initiative comme ça. Il est crucial que tout le monde réveille, parce que là, nous avons mis haïtien, c'est Saint-Thomas, mais qu'on y a tout le monde qu'on a un monde qui gonti fièvre. Et bien, c'est COVID-19. Comment c'est un monde qui connaît un monde qui mourit, c'est COVID-19. Comment c'est un monde qui connaît un monde qui a un petit mal tête, un petit grippe, qui perd un petit goût dans la bouche. Problème dans là. Il faut que tout le monde mette ensemble pour ne pas stigmatiser la maladie. Au contraire, pour nous consommer de prise en charge communautaire, et là, ça a une stratégie simple. Tant qu'on gagne de l'eau salée, utiliser de l'eau oxygénée, qu'on dilue à 50%, qui est capable, possiblement, l'eau inhaler, l'eau ou pulvériser le nez, et bien là, ça est capable. Détruit un peu virus, et puis, nous apprenons ensemble, en mettre ensemble, en nous yon pas, si t'as abgoumé contre l'autre, parce que son moment qui m'a nous, comme nation, nous pas gagne ressources l'hôpital, nous devons venir avec l'autre initiative qui sortit du modèle qui pas marché déjà dans le gros pays côté qui gagne l'hôpital sophistiqué. Voilà, c'est docteur Dieudonné Jean-Baptiste, dans le micro Hervé Noël, de conseil la baye population, même j'ai l'autorité, côté pour ta mettre plus force et pour ta permettre que population sorti en bas coronavirus, non? C'est investi, mettre à disposition population, c'est de vitamines, tant que vitamine C, vitamine D, et en même temps tout gain de mesure, moun yo capable prendre, tant que gagari, de l'eau chaude et salée, dans gorjou, et nettoyer néon à de l'eau, oxygéner mélanger à de l'eau, tout c'est des moyens qui capable rider ou bloquer virus, non? Mais en même temps très attentif concernant tout ça qui a passé autour de vous-même, pas jouer avec maladie d'après ça, l'y préciser. Toujours concernant coronavirus ça qui vient pour là avec nous, gagne défenseur plus sous décret gouvernement prend, il parlait de respect droit fondamental à liberté publique yo qui doit nan bataille contre pandémie et nouveau coronavirus. Collectif Défenseur Plus dit le prend connaissance à travers la presse de décret et présidentiel en date 20 mai pour gérer COVID-19 là en Haïti et qui mettait une série de amendes sorti 3 à 25 000 goudes et mettait prison tout sorti 5 à 30 jours pour monde qui pas ta respecter mesure autorité annoncée décret ça qui gagne 27 articles la donne. Limiter restrictions dans certaines libertés publiques pendant période de l'état d'urgence sanitaire. Tant qu'il est interdit plus que 5 pour nous réunir dans des cailles ou bien dans la cour, et qu'un couvre-feu sorti 8h dans la soirée pour arriver 5h dans le matin, il interdit circulation. Bon, tout ça, ça nous connaît pas appliqué, c'est vrai. Et collectif défenseur plus, que c'est devoir exécutif là pour prendre certaines mesures et le fait que pas gagner un parlement qui a fonctionné tout. Et cependant, li noté gagnen yon absence clair dans ça qui concernait consultation à travers société civile là, organisation sociale yo qui t'a bail gouvernement ça au moins une transparence
dans gens qui ont géré liberté publique avec liberté individuelle. Et manque d'information dans la population, mesures nécessaires pour goumen contre les maladies qui ont gagné, capable de cause tension entre citoyens et la police, par exemple. En plus de ça, tribunal, il y a prélevé de cette police, qui est tribunal première instance, dans le pays, ça, qui t'a dû pour prononcer ça, les peines en prison, marque amende, les que moun n'a pas respecté des créa pendant la période crise sanitaire, yo pas capable de respecter yo même. D'après ça, défenseur plus précisé, disposition décret ça, yo pas capable d'entrer en application. Ça qui capable d'augmenter, valeur moun, yo pral bourrer dans prison, dans garde à vue, et dans commissariat policier, qui déjà dans mauvais état, et qui la cause tout pandémie en gaillé. Et gen l'autre accro tout qui fait dans ça qui concerne droit fondamental avec liberté publique yo. Et dans décret 20 mai 2021, et c'est visa texte loi en avant constitution 1987 non, et qui pas existait parce que constitution toute loi, tout décret loi qui dépasse marque li même pas doit exister automatiquement abrogé et gouvernement al rale yo. Dans l'autre disposition, la loi et convention internationale que Haïti, en tant qu'État parti, signé. Et tout ça, il est noté. Et selon Défenseur Plus, la baille comme exemple, loi 30 juillet 1886, sous sa les polices sanitaires maritimes, avec loi 24 février 1919, qui établit service national hygiène publique, dans ce sens-là, collectif Défenseur Plus, invité et force de nation, et pour très veatif pour nous capable et pas quitter nous perdu liberté publique nous avec droit fondamental yo et que constitution avec toute convention Haïti signé sous question droit moun garanti. En plus de ça, collectif défenseur plus quoi certaines dispositions dans décret bon yo bien tombé pour éviter ou bien pour diminuer maladie en gaillé et dans pays an, donc, par exemple, obliger moun pour porter masque dans figure, lò en public, lò à bord, transport en commun, et question les distanciations sociales là, et sanctions prévoir contre discrimination, ak stigmatisation, moun qui gen maladie, hein, c'est des mesures qui très bien, selon Défenseur Plus, même gentou, li pou respect identité ak image, moun qui malade yo, qui dans l'hôpital, personne moun pa gen droit pour filmer yo, personne n'a pas le droit pour voler image. Et c'est Antonal Mortimer, co-directeur Défenseur Plus, qui fait remarque ça concernant et décret gouvernement et soutien. Bon, nous connaissons chaque jour, on n'a pas prendre une maladie. Ça, par exemple, on parle de question maintenant, depuis que ou ka soufflé, yon bougie, li mouri à travers masque dans le bouchoir, masque pas bon. Ça veut dire tout piquant qui entre là-dedans. Il faut que l'on souffle bougie, hein, li pas mouri. C'est dans ça, masque dans bon. Et en plus de ça, tout le monde fait un débat sur la question masque. Et il y a l'autre débat, tout, c'est qu'on y a un groupe chercheur qui fait révéler, contrairement à ce qui a été dit avant, il n'y a pas quoi, et mon a contaminé, si toutefois, tu as mis tes mains sur une table, côté virus entier, ou bien sur n'importe qui surface, il n'y a pas quoi, c'est ça, il y a quoi essentiellement contamination, c'est à travers conversation ou bien à commun. Et ça a dénoué les postillons, bon, nous avons dit à mon cap fariné, c'est la donne seulement, essentiellement, yo quoi. Bon, c'est chaque jour, yo vina des informations, yo retourne sous lit parce que c'est tout, nous tout apprenons, nous yé, et sous planète là, en même temps, avec chercheurs, yo, concernant nouveau coronavirus. Et puis, on va faire l'autre campé, concernant même en sujet ça, il y a un rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti. Rassemblement qui fait des recommandations RSD pour limiter dégâts pandémie COVID-19 là capable provoquer. Coordinateur dit que il est tête chargée les l'a garder dimension épidémie coronavirus en Haïti dans jour ça yo qui nécessitait des mesures pressées pour limiter maladie ça pour pas gailler et donc c'est quoi Fab Lafontaine non un mal qui répand la terreur et RSD noter, c'est vrai, tout d'un coup là, COVID-19 la gaye dans le pays, hein, d'après dernier communiqué noté par MSPPA, donc qui montrait que gagne yon gros augmentation 105 cas dans cette journée, et c'est des faits qui doivent attirer attention, qui montrait contamination dans la communauté, l'ap gaye, et côté moun ap bay moun ni, et nous devons attendre nous logiquement à augmentation
et plus pour qui contaminé, plus pour qui pral mourir tout dans jour à semaine qui a venir. Et ça que tout citoyen et citoyenne normal pas capable souhaiter pour pays. Cependant, faut que nous prenions en considération plusieurs facteurs et qui c'est des circonstances qui viennent aggraver situation. Tant que nous j'en a vivre dans kayn a vivre côté mon pile sous pile non seul pièce kay et côté pas gain toilette et dans zone publique yo bon dans quartier tout et côté tout et mon a vivre dans des situations terribles et dans question transport c'est blier ça tout rue yo charge ak fatra RSD penser santé publique là c'est un nan travail que tout l'état gain sous responsabilité c'est pour ça patient mande moun ki ap dirije l'état haïtien kwè li la pou aplike yon politik ki efikas pou evite situation pa vin pi grave nan peyi a. RSD rekomande nan sans sa mezi sa yo distribution tout bon nan quartier populaire yo l'eau potable pou population kit provision manje et sa rele kit yo pou un mois au moins bay moun de manje pou un mois pou encourager citoyen ak citoyenne kapab rete la kayo. Et puis ça le confinement et social là ta doit durer 15 jours pour nous fermer la caillou distribuer tout bon masque bay moun yo dans marché yo dans transport en commun yo et dans camionnette yo dans moto yo et une campagne sans prendre souffle et en plus de mairie Kazek Azek ta doit la donne service l'état ta doit mettre étudiants et ta ka bay un frère équiper pour participer. Et puis condition pour permettre une politique comme ça capable réussir lire les transparence ça l'état fait avec moyen quand même ça veut dire mettre sous côté tout vieux comportement pratique corrompu dans façon à gérer l'argent qu'il a pour combattre Covid 19 là en plus de sa priorité politique moment c'est arriver sauver peuple haïtien en bas menace existence physique lui même qui menacé en bas épidémie hein, et pas entrer dans magouille pour planifier élection FOMAMIT. Et pour coordination nationale RSDA, Victor Benoît, représentant officiel, Jean-Michel Simplice, président, et puis Sylfran Michel, secrétaire général. RSD, Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti.